Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 20h30, heure locale, et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour cette émission spéciale. Seigneur, nous voulons partager ta parole et dire la vérité aux frères et sœurs qui sont dans le monde entier, car tu nous as appelés à être dans la lumière. Nous sommes de la lumière et nous voulons partager ta parole ce soir, au nom de Yeshua. Amen. Bien avant de partager avec vous la parole ce soir et de dire ce que j'ai à dire, je voudrais d'abord remercier et bénir le Seigneur notre Dieu pour son soutien infaillible. Il nous a beaucoup soutenus, notre Père. Et, vous savez que nous étions en mission en Polynésie française. Et je voudrais aussi en même temps dire merci à tous les frères et sœurs de la Polynésie française pour leur accueil. Nous avons été beaucoup aidés, soutenus et ça m'a fait penser un peu aux frères et sœurs de l'église de la Macédoine à l'époque de l'église primitive. Comment ces chrétiens aimaient le Seigneur et désiraient connaître la vérité et aussi avaient énormément soutenu Paul dans son œuvre. Donc je ne dis pas que je suis Paul, mais ça m'a fait penser un peu à ces chrétiens-là, donc la Polynésie bien sûr. Et surtout, ce qui nous a beaucoup le plus marqué, c'est de voir la soif que ces frères et sœurs ont. En tout cas, un grand merci à vous tous. Donc je ne pourrais pas citer tous, vous citer tous, mais vous avez été nombreux à nous avoir marqués. Hein, donc, et vous êtes nombreux à nous avoir marqués, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, de vos familles, vos enfants, ainsi que vos projets. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et comme d'habitude, hein, les pasteurs escrocs sur place, religieux, s'étaient bien sûr mobilisés contre ce programme. Mais malheureusement pour eux, le Seigneur, quand il commence une œuvre, personne ne peut l'empêcher. Voilà, donc on va vous diffuser quelques extraits, notamment un extrait de cette mission. Je dis en tahitien, Yorana, voilà, Yorana, avec des R bien roulés, donc ça veut dire bonjour. Et Mururu, donc merci en tout cas à vous tous mes frères et sœurs de la Polynésie française. Et sans oublier bien sûr ceux qui sont du côté de la Nouvelle-Calédonie, hein, à Nouméa notamment, à Nouméa, qui sont aussi connectés ce soir. D'ailleurs il y a quelques BJC qui vous ont été, on a donné un carton à un frère de Nouméa qui était venu en Polynésie française. Et en tout cas, que le Seigneur vous garde. Merci. Donc, l'équipe technique va pouvoir nous diffuser rapidement cet extrait. Je me présente Mervin Samuel, surnom Sam, le frère Sam. Donc, c'est un privilège pour moi de rendre témoignage de la gloire de Dieu. Et c'est vrai qu'en ce moment, avec la mission d'évangélisation qui se passe, vraiment, on voit le Seigneur œuvrer dans les cœurs, dans les vies. Et c'est ce qu'il nous fallait, parce que mon peuple polynésien, on a besoin d'être délivré au niveau de la vérité, parce qu'ils ont besoin d'être affranchis par la vérité. Et je bénis, je loue le Seigneur, parce que tout ce que nous voyons, c'est la première fois que les Polynésiens voient cela. Et ça fait du bien à mon peuple, ça fait du bien. Et je vous assure, mes frères et sœurs, donnez vos cœurs au Seigneur. Venez vers le Seigneur parce qu'il a une bénédiction pour vous. Et je veux vous dire encore, comme il a fait pour mon peuple, comme il a fait pour moi, comme il a fait pour la Polynésie française, il pourra faire cela aussi pour vous. Et je veux vous dire une seule chose. Retenez le seul nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même aujourd'hui, hier et il revient bientôt nous chercher. Alors n'oubliez pas, invoquez ce nom, Jésus de Nazareth, le seul qui peut nous sauver et le seul qui reviendra chercher son épouse. Alors je vous assure, mes frères et sœurs, convertissez-vous, allez, repentez-vous et acceptez la grâce du Seigneur dans vos vies. Parce qu'en devenant enfant de Dieu, vous devenez héritier du royaume de Dieu. Parce qu'il est Seigneur, il est roi des rois, Seigneur. Et il vient bientôt te chercher. Alors toi qui m'écoutes, toi qui regardes cette vidéo, sois béni. Et dis aujourd'hui, repends-toi, accepte le Christ en tant que ton sauveur et Seigneur personnel.
parce qu'il deviendra ton père, il deviendra ton époux qui reviendra te chercher pour pouvoir se réjouir au banquet des noces qui nous attend. Toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. Moi, récemment, j'ai eu un kyste ovarien. Ça fait déjà assez 4 mois que j'avais ça et normalement j'étais sous traitement, mais comme ça n'a pas fonctionné, donc on m'a redonné des traitements, mais je refusais encore 10 points parce que je commence à en avoir assez marre de me dire avant. Bah, après, il y avait un soir où je suis venue voir Shora, je lui ai demandé de guérir ce kyste qui me pesait parce qu'après ça a commencé à paralyser mon dos et j'avais un peu de mal à me lever le matin et j'en pouvais plus. Ensuite, il a fait. Donc après, je me suis dit, bon, ça y est, tout est fait. On est rentré, moi et mes soeurs. Et ce qui était bizarre ce soir-là, c'est que d'habitude, je suis quelqu'un qui simule l'endormissement. Je dors jamais. Je me réveille pour un petit bruit de rien du tout, mais des fois, il faut que je me force à dormir. Mais cette fois-ci, je pouvais dormir comme si de rien n'était. Et c'était assez. C'était assez bien, complètement même. En fait, j'avais cette impression que j'avais jamais dormi aussi bien que ce soir-là. Comme si tu dormais quand tu étais encore bébé, sans effort. Sans effort. Ensuite, le lendemain matin, j'avais dit à ma sœur, on n'ira pas à la conférence de ce matin parce que je veux qu'on aille à mon gynéco. Après, elle m'a fait, ok, d'accord. Ma sœur a commencé à paniquer parce que bon, je lui mettais des petits doutes que moi aussi j'en doutais, j'avoue. Ensuite, on est parti au gynéco. Moi et mon gynéco, je lui avais dit que si jamais c'est pas parti, les médicaments, j'arrête. Je veux me faire opérer. On le dit, en sachant très bien que quand on enlève ça, t'es stérile d'un ovaire. Mais ça, je voulais absolument pas. Je voulais pas être stérile d'un ovaire. Parce que bon, j'imagine qu'on est plein de chavaux là, des bébés. Hein. Bon, après, j'avais dit, moi, ma nièce et ma soeur, on entre dans le cabinet. Bon, c'est des petites curieuses, hein, celles-là. Après, on entre dans le cabinet, mon médecin me dit, tu as bien pris tes plaquettes? Je lui dis avec assurance, oui, oui. Hier, j'ai terminé. Donc, du coup, il est là, ah oui, c'est vrai, c'était hier que ça devait finir. Ensuite, on va dans la machine, il me fait l'échographie, il voit que mon kyste est revenu à la normale. Amen. Amen. Ensuite je sors, après mon gynéco dit à ma soeur et à ma nièce, c'est bon, elle est guérie, sans qui c'est revenu à la normale. Ensuite on sort, la petite blague après, parce qu'en fait t'avais ma soeur et ma nièce, ah mais toi tu crois que c'est la prière ou tes médicaments qui t'ont sauvé? Je me retourne, non en fait tu vois le genre en fait, mes médicaments je les avais zappés depuis des mois déjà. Jésus est trop fort. Je demandais à l'équipe technique de nous diffuser rapidement une vidéo de baptême lors de la dernière soirée.
en Polynésie. Donc il y a eu beaucoup de frères et sœurs qui se sont levés pour accepter de passer par les eaux du baptême. Et donc on va, ils sont en train de préparer cette vidéo. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup vous encourager. Et vous qui nous suivez ce soir, voilà, en tout cas, c'était une belle mission. Mais qu'est-ce que c'est long, la Polynésie française, en tout cas. Et c'est la première fois de ma vie de faire un voyage aussi long. Et de Paris à Los Angeles, c'est 10h30, 11h de vol. On a fait 10h30 à peu près. Et là-bas, il fallait attendre encore 2 ou 3 heures. Et quoique à l'aller, on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup traîné, parce qu'on était en retard. Et ensuite, de Los Angeles à la Polynésie française, il faut compter à peu près 7h45 à 8 heures de vol. Et voilà. Donc en tout, avec les attentes, tout ça, avec l'escale à Washington, à Los Angeles, donc il faut compter parfois 20 heures, 22 heures, 23 heures, parfois 24 heures, ça dépend. Mais c'est très 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 long, vraiment très très long. Voilà. Et sur le retour, pareil, hein. Donc Polynésie, Los Angeles, 8 heures de vol à peu près. Et de Los Angeles à Paris, ben, à peu près 10h30, 10h40 à peu près de vol. Avec bien sûr beaucoup et beaucoup de turbulences, mais le Seigneur était présent pour nous soutenir. Et encore un grand merci aux frères et sœurs qui nous ont couverts par leurs prières, qui nous ont soutenus, qui nous ont encouragés et qui ont présenté des requêtes au Père pour cette mission. On a vécu des très très bons moments dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. Alors, le Seigneur, je ne sais pas s'il y a des, je pense qu'il y a des frères et sœurs de Tahiti, bien sûr, qui sont connectés ce soir, ou d'autres encore, hein, qui sont, voilà, originaires de Tahiti, de la Polynésie française, et qui sont, voilà, la vidéo elle est là, donc on peut déjà la balancer, je crois. Tous qui nous suivez sur TV et Radio de Vie, nous sommes ici en Polynésie, c'est la dernière soirée. Regardez le monde que le Seigneur a attiré. Toutes ces personnes qui se sont présentées ce soir pour le baptême, pour donner leur vie au Seigneur et passer par les eaux du baptême afin de pouvoir servir le Seigneur. Il y en a d'autres, certainement, mes amis, qui vont arriver. Et le Seigneur est bon, l'œuvre se fait, Dieu travaille nos cœurs et nous sommes vraiment, vraiment, vraiment dans la joie. Un petit cantique pour la gloire du Seigneur, mes amis. Donc on fait une pause de quelques secondes et on revient sur TV et Radio de Vie pour votre émission. Il est minuit. Merci.